Je salue la population de Pogrobré, le canton Yokolo, constitué de 42 villages, de 7 tribus, est aujourd'hui dans le Dri, et précisément à Pogrobré. Nous sommes dans le village de Bré-Boudé-Bapé. Et cela a un sens.
Il faut qu'on le dise haut et fort. Nous sommes venus accompagnés d'un illustre cadre, Ibrahim Lokpo. Raison de plus pour qu'il soit parmi nous, parce que nous venons dans son village maternel. Le canton Yokolo est présent ce soir à Pogrobré, dans le Dri, et cela est très significatif. Bré Goudé et Laurent Gbagbo faisaient équipe avec des grands-fils du canton Yokolo. Je citerai Bomboa Bré, le promoteur du budget sécurisé, Désiré Tagro, Blé Charles et j'en passe, parce qu'ils sont beaucoup. Et on est arrivé à une crise. Blé Goudé, malgré ses 12 ans passés en prison, n'a pas oublié ses collaborateurs, ses grands frères, qui sont eux malheureusement décédés. Et il allait nous rendre visite. Il allait aux funérailles de ses grands frères, Bomboa Bré, Désiré Tagro et Blé Charles. Quelqu'un qui est sorti de la prison et qui n'oublie pas ce sens-là. Ça nous a marqué. Chez le BT que nous sommes, derrière la prison, il y a la mort. Celui qui est sorti de prison et qui est venu aux funérailles de ses parents, qui sont les nôtres, même s'il n'était pas parti aux funérailles, nous avions le devoir et l'obligation de venir le saluer. Selon nos justes coutumes, quand ton frère est mis en prison, quelles que soient les raisons, et qu'il en sort sain et sauf, il fallait le saluer. Rejoignez-nous au projet.